Et bonjour tout le monde, c'est Blue des Sims Artist. On se retrouve pour ce 9e épisode de Déméter. Et je viens d'installer une cheminée. Et hop, 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 monsieur, le père hiver est arrivé chez moi. Je suis trop contente. Donc je voulais acheter une cheminée. Donc j'ai vendu toutes mes plantes. Là, hop, il n'y a plus rien. Comme ça, j'ai pu m'acheter ma cheminée. Et le père hiver a pu venir. Et je vais pouvoir avoir... peut-être des cadeaux et tout ça. Alors, je sais que j'ai pas mis de cadeaux parce que j'ai pas encore assez de sous. Mais j'ai envie de lui faire un cadeau. Ah non, je peux lui en demander ou je peux lui en offrir un. Je vais lui gratter un cadeau. Demander un cadeau. Voilà. Ça y est, c'est validé. J'ai réussi. Ça, c'est bien. Oh, c'est trop gentil. Alors, j'ai Jeanne Dumont qui me harcèle. Qu'est-ce qu'il m'a offert, le père hiver? Ah, j'ai froid. Alors, il va falloir que je mette un peu la cheminée. Je flippe un peu de mettre la cheminée parce que je flippe de mettre le feu chez moi. Mais en même temps, j'ai pas mis des trucs autour, donc je me dis, normalement, à part peut-être potentiellement le rideau, sinon tout va bien, ça devrait le faire. Bon, en tout cas, ça y est, j'ai validé tous les trucs de la fête de l'hiver. Donc je suis trop contente. Et j'ai plus froid grâce à la cheminée. Voilà, c'était tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller... là, voilà, je l'ai mise pour qu'elle aille aux toilettes et se laver. Finir son assiette. À moins que ça fume du verre. Non, ça va. Peut-être qu'après, on prendra une douche. On va déjà manger. Et ensuite, dormir. Parce que en fait, il est quand même 22h, qu'elle est fatiguée. Et j'en ai marre qu'elle finisse jamais ses assiettes. Alors, tu vas manger ta dinde. Et tu vas arrêter de passer à autre chose quand je te mets d'autres actions. Je sais pas si c'est un bug, ça, mais c'est très agaçant. Hein. Ça m'énerve beaucoup. Allez, au dodo, et on verra demain. Et en fait, j'ai vu dans les messages là aussi qu'elle avait eu un échiquier. Donc ça, c'est cool. C'est dommage, j'en ai juste acheté un, mais bon, j'irai vendre l'autre au pire, et puis voilà. Hop. Et donc, du coup, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire demain. Demain, il faut que je continue à m'occuper du jardin. J'ai pas une très bonne performance au travail, ça, ça craint. J'avais acheté des points de trucs à long terme, greffé 3 plantes. Ah, il faut que je fasse de la greffe, hein, j'ai oublié. Je suis à 2025, je vais voir s'il n'y avait pas un truc, je me rappelle plus, autour de la main verte. Ça peut être cool aussi de l'utiliser, la main verte. Et donc, voilà. Toujours bienvenue, non, on s'en fiche. Sims du matin, tac, tac, tac. Économe, je l'ai déjà. Service gratuit. Ah, c'est service unique. J'allais dire, sinon je me prends un jardinier. Super main verte, 4000. Et ordre à Simplus, 5000. Bon, ben j'ai du boulot encore. Hein. Faudrait que je fasse une dernière greffe, puisque apparemment ça va me faire gagner du point. Ben, à 3h du matin, oh là là, ce look, il a un petit bonnet de Noël sur la tête. Non, j'ai pas particulièrement envie de plus de choix, prendre une bouture. Ça va être la première chose qu'elle va faire en se réveillant, c'est d'ailleurs dans pas très très longtemps, c'est de bouturer une plante pour faire la greffe, pour passer au niveau au-dessus, au niveau des aspirations et gagner des points de bonheur à long terme, je crois que ça s'appelle encore. Et est-ce que je peux greffer? Ouais, voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Faire pousser une plante vache. Bon, bah ça, c'était le produit. Non, on va pas manger la baie. Et faire évoluer. Oh, voilà. Ok.
Je pense que ça va tout me planter. Ça, c'est cool. Il fait trop froid pour planter quelque chose. Ben, si tu t'habillais aussi en tenue d'hiver pour le jardin, tu aurais peut-être un peu moins froid. Sinon, toujours froid? J'avais dit que je voulais fertiliser les plantes, j'ai pas trop eu le temps. J'ai plus de caca de chien, ça y est. Hein. Ah si, il m'en reste un. Voilà, fertiliser. Hop. Donc là, ça y est, tu peux planter. Ah, mais même à l'intérieur, on peut plus planter. Ah, c'est moche. Ok. Ok. Donc là, il commence à y avoir un tapis de trucs de graines. On est un peu dégoûté. Mais on va faire avec. Alors. Ouais, voilà, prends des restes. C'était exactement ce que je voulais que tu fasses. On va travailler de la maison encore une fois. Boire de l'essence de plantes vaches. Alors là, je suis mal parce que j'ai pas de plantes vaches. Et il faut qu'un autre sim me les traite. Oh, mais j'ai pas fini, hein. C'est la galère. Il faut que je fasse venir un autre sim qui se fasse manger par la plante. On va abandonner l'idée. Tant pis, je satisferai pas cette demande-là. Hein. Je voulais changer l'eau aussi. Bah, j'irai plus travailler à domicile hein, si c'est ça la demande. Je peux pas la. Ah non, ça a pété mon truc mûche. Et encore une fois, dès qu'on lui demande autre chose, elle arrête de manger. Ça me gonfle. Mange ton dîner de dinde, mange tes restes. Voilà, on va aller aux toilettes, on va réparer ça et jouer. Donc je verrai hein, demain, selon la demande du travail, si ça recommence à me parler des histoires de plantes vaches, je vais pas pouvoir rester à la maison et avoir des demandes irremplissables. C'est pas possible. Par contre, je peux augmenter ma compétence logique, ça c'est bien. Et ensuite, il faut que j'aille m'occuper du jardin, quand même. Barre de divertissement à fond, à fond, à fond. Ouais, ça ira bien comme ça. Hop, ah, un caca. Ça, c'est bon. On se le récupère. Hop là. Mais c'est qui me plante des plantes dans le jardin? Je comprends pas, hein. Que je peux. Comment ça fait quand je fais tout vendre? Ah, elle prend le temps de les récolter quand même. Ah oui, non, d'accord. Attends, attends, je veux pas tout vendre tout de suite. Mais non, arrête-toi. Je voulais fertiliser mes plantes. Je peux pas, en fait. Une fois que l'action est engagée, elle ne s'arrête plus, c'est terminé. Bon, bah tant pis les gars. On va faire comme ça pour aujourd'hui. Alors, on va faire évoluer celle qui brille. Comme d'hab, je suis en galère pour trouver, faire évoluer. Bon bah je vais m'en faire du fric là. Et je peux toujours pas planter? Il fait trop froid dans la maison en fait. Faudrait que je mette une cheminée dans la serre.
C'est quand même trop choubidou, hein, les plantes vaches en hein, bébé, hein. Bon, après, ça devient une immonde bestiole, mais... Alors, qui c'est que je peux fertiliser avec le caca de chien? Voilà, toi, je peux te fertiliser avec le caca de chien. J'ai peut-être invité Clément, hein, parce que si je veux que notre histoire avance... Non, je peux pas. J'ai pas le droit. On va discuter. Allez. Où est-ce que je peux aller avec lui? Il va me rejoindre là-bas. Je sais pas trop où je veux aller. Si on allait au bar. Hop. Voilà. Au bar des chats. Ça peut être sympa. L'idée, c'est peut-être pas avoir un rencard carrément parce que un rencard, c'est casse-pied. Il y a trop d'objectifs à remplir. C'est juste. Aller quelque part, parce qu'apparemment je peux pas le faire venir sur mon terrain. Et puis continuer ma drague. Mais je pense que définitivement après je vais le relooker, puis je vais très certainement lui changer de look, lui changer de nom, parce que je déteste ce prénom, je le trouve moche. Donc on va faire de la drague un peu. On va enlacer, on va. Voilà. En plus, il est heureux. Ça se trouve, le type, je vais complètement... Oh, s'embrasser sur la neige, sous la neige, c'est pas mal, ça. Ça ferait une jolie photo, en plus. Oh yeah. Peut-être recommencer, hein, l'embrassade sous la neige. C'est sympa, l'idée. Avec les mouettes et tout, que c'est beau. Essayer d'embrasser sous le gui, je l'ai pas vu celle-là. Où est-ce qu'il y a du gui? Ah, ben il y a du gui. Ah, d'accord, elle en a dans sa poche. Donner du conseil sur les relations? Non, bah pas trop en fait. Et on peut pas lui proposer d'être son petit copain ou un truc comme ça. Murmurer suavement. Ok, elle est partie à la fond. Il est où machin? Il est parti en fait. Je l'ai perdu. Ah non, il est là. Mais arrête de danser. C'est pas le but de danser toute seule devant la chaîne Ifi. Là, le but c'est de te trouver un mec. Mais il est où? Il est encore parti. Que c'est compliqué alors, mais où il est passé? Sérieux, il est où? Il s'est barré. Il est là, il se casse. Non, non, tu vas passer du temps avec moi, hein, Coco. Allez, on court, 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 on court à la quête de l'amour. Ah, bah c'était un bel enchaînement, dis donc. Je peux pas lui demander d'être mon mec en fait. J'ai pas le droit. Je suis dégoûtée. Technique de drague. Bah vas-y, passe au milieu, on ne dira rien, toi. Yepsy. Toujours pas. Demander d'être son petit ami. Ça y est, on peut lui demander d'être mon mec. Ah, je suis trop contente. Wouhou, on est ensemble. Baiser passionné. Invité à rester dormir. Ça, c'est pas mal. Je suis supposée travailler avec des histoires de plantes vaches.
cool, il veut bien rester dormir. Bon, on va rentrer, hein. Maintenant que je l'ai attrapé dans mon panier. J'espère qu'il va pas penser qu'il faut dormir, genre, dans le bar, quoi. Bah si, cet abruti m'a pas suivi. Il est où, quoi? Non, mais sérieux. Ça me désespère. Une super fête. Ouais, mais non, mais en fait, il est 23h. Il faut dormir, quoi. Demain, il y a le travail, tout ça. C'est pas possible, on peut pas. On peut pas. La vie est faite de choses raisonnables. Après, sinon, elle va tomber dans les pommes. Et ça va pas aller. Utiliser et nettoyer et prendre une douche. Parce que la baignoire, la douche est sale, là. Et ensuite, on va manger des restes. C'est mon option préférée. Je suis trop contente qu'elle soit revenue, même si ça fait un petit moment maintenant. Je suis bien contente. Ok. Donc après, hop. On va rien mettre derrière l'action du fait de manger. Mais alors du coup, la cheminée, est-ce qu'elle chauffe que la pièce ou est-ce qu'elle chauffe toute la maison? C'est ma question existentielle du jour. Que je te propose, c'est de dormir encore un tout petit peu le temps que le réveil sonne. Voilà, comme ça, au moins on peut. On peut monter à fond la barre. Et donc, au travail, c'est. Ah, punaise, je suis toujours coincée avec cette histoire de plan de vache. Je pense que tant que je l'aurai pas. Ah non, bah, je vais aller travailler. Ah non, j'ai cliqué travail à la maison? Je suis dégoûtée, je sais pas ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a eu un bug parce qu'il me semblait pas avoir coché ça. Mais alors, pas du tout. Oh, merci Jeanne Dumont avec ton casque de chevalier. Ah, je voulais faire un truc. C'était pas rejoindre un groupe, c'était créer un groupe. Voilà. Je sais qu'il y a les nains de jardin. Ce que j'aimerais avoir, c'est un peu plus de détails sur leurs activités, chercher des grenouilles, entretenir le jardin, pêcher. C'était vraiment créer un groupe, tant pis, hein, ouvert à tous. Ok, voilà, exigence. Aucune, on s'en fiche. Ce que je voulais, c'était choisir des activités. Activité d'intérieur, non. Ça peut être bien ça. Nettoyer. Activité extérieure, voilà, c'était ça. Entretenir le jardin, ok. Activité de groupe. Errer dans le labyrinthe, non, on s'en fiche. Pêcher, non. Tac, 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 tac. Ok. Ah mince. Et j'ai pas validé nettoyer. C'est histoire d'avoir des gens qui vont venir un peu s'occuper de chez moi. C'est terrible. Loisirs. Non. Œuvre d'art. Non. Il y en a aucun qui me fait envie. Nourriture et boissons non plus. Non mais voilà, c'est bien. C'est ça. Et donc du coup, invité. Des gens que je connais à peu près. Ah, j'en connais plein des gens. Franchement, au pif. Je sais plus combien j'en ai sélectionné. 1, 2, 3. Ah bah non, bah c'est bon. Ok. Ok, très bien. Lieu préféré. Ici. La maison. Maison Let's Play. Ah, il me faut un nom. Un nom, les esclaves. Non, ça va pas. Nom de jardin, c'est déjà pris. Les jardiniers. Hop là. Ah, il me faut un icône. C'est bon, ça va aller? Ouais.
Comme ça, je peux inviter plein de monde à s'occuper de mon jardin. Youpi, youpi. Comme ça, quand j'ai pas envie. C'est quoi ça? Aller au travail. Ah bah oui, va au travail, ma cocotte. Hop, bah comme ça la journée va passer plus vite. Je vais peut-être augmenter mon temps de travail. Bon, ben voilà de retour. Enfin, voilà Elisa de retour, plutôt que moi. C'est pas moi qui fait travailler. Alors, c'était cool parce que pendant que j'étais pas là, il y a Lucie Trouille qui s'amusait à arroser toutes mes plantes. Ce qui va me faire gagner un temps considérable. Donc, je suis trop contente. Donc, ma tâche du jour, c'est de récolter des produits. Là, j'ai 3 jours de pause, donc ça, c'est pas mal. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que j'ai vu que ça allait être le réveillon bientôt, donc je vais pouvoir faire une petite fête. Je sais pas, j'ai pas très envie de la faire à la maison, la fête. Mais peut-être qu'elles se font toujours à la maison, les fêtes. Mais comme il faudrait un truc de musique, là, une chanifille ou quelque chose comme ça, ben ça m'embête un peu. Donc bon, je sais pas, on va voir. Donc là, je vois qu'elle a un peu faim, Elisa. Et je voudrais quand même qu'elle puisse manger en mangeant des restes. Hop, hop, voilà, on va tout arrêter et tu vas aller manger des restes, ma cocotte. Et les plantes que j'ai dans mon inventaire, je vais les garder, comme ça je vais pouvoir fertiliser toutes les plantes que j'ai pas fertilisées. Alors moi, je vais peut-être pas y arriver, vu comme c'est parti. Et mes patates et tout, elles sont où là que j'arrivais pas à planter? Ça s'est planté au final, non? Je sais pas. Je sais pas où c'est. Ah oui, ils sont plantés, les pommes de terre. Du citrouille a dû réussir à les planter. Je sais pas trop comment elle a fait, mais bravo à elle. Mais non, j'ai pas le temps en fait. Je suis désolée, déjà que j'arrive pas à m'occuper de mon chien. Si en plus je dois sortir. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Mais non, je veux pas de rancard en fait. Je suis fatiguée, j'ai faim. J'ai mon chien qui me demande de l'attention. Voilà. Mais par contre, on va bientôt se marier, donc t'inquiète pas, tu vas me voir tout le temps. Ça, on va la faire jouer aux échecs. Quand elle aura fini de manger. Ouais, c'est bon, elle a fini de manger. Et ensuite, au dodo. Au lit. Bonne nuit les petits. C'est beau la neige. Je fais que de le dire, mais c'est beau. Avec les bateaux sous la neige, c'est quand même assez sympa, hein. Ils ont bien réussi leur coup quand même, hein. Bravo, bravo. Elle a jamais sa barre de social qui descend, elle, du coup, avec le chien et compagnie. Franchement, ça gère bien, hein. Allez, ça suffit. Au dodo. Et puis, on se retrouve demain matin. Et voilà, c'est le jour de l'an. Décompte jusqu'à minuit. Couchez-vous tard. Tac, tac, tac. Il faut regarder à la télé. Prendre des résolutions. Ok, donc on va sortir, hein. Utiliser. Prendre une douche. Ah non, crotte, ça suffit les enterrer. Ah, j'en peux plus de pas pouvoir. M'énerve. M'énerve, m'énerve, voilà. Allez. On y va, on est motivé. On travaille pas. Donc on va sortir. On aura fini de manger, on va utiliser, prendre une douche et ensuite fais ce que tu veux. Non, on va pas récolter parce que voilà, on va à 9h du matin. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai envie de sortir et en même temps, il faudrait que je m'occupe du jardin. Bon, en même temps, je me dis que le jardin, il peut très bien attendre et que de toute façon, au pire du pire du pire du pire, Lucie Trouille m'aidera. Donc on va sortir et on va aller se promener. Ah, mais c'est parce qu'elle veut parler à une plante en plus, elle veut même pas s'en occuper.
Bref, on va aller quelque part avec notre chère et tendre qu'on va demander en mariage. Et puis comme ça, la soirée va être parfaite. Bon, alors la soirée, c'est pas vraiment la soirée, hein, mais on s'est compris. Raconter des ragots, chanter une chanson du jour férié. C'est marrant qu'on puisse raconter des ragots, que ce soit assimilé comme ça, comme un truc de jour de fête. Ah, je peux lui demander de vivre avec moi. Est-ce que ce serait pas le moment de lui proposer de vivre avec moi? Ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il serait d'accord? Oh, yeps! Ok. Et hop, magie, magie, il vit avec moi. En tout cas, je suis devenue super riche hein, grâce à lui. J'ai 22 000 Sim Plus, quoi. C'est la folie. Mais bon, on verra après. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à la fête? C'est esprit fêtard. Esprit fêtard. Buvez, dansez, jouez d'un instrument. Ah, on va draguer. Draguer. Ouh, elle est pas contente. Hein. Ouh, pas contente. Ça c'est fait, je l'ai validé. Ah, mais lui, il a peut-être pas validé. Décorer ça, non. Ayez l'esprit fêtard. Allez, on va lui faire avoir l'esprit fêtard. Ça, c'est pas l'esprit fêtard. Pas malice, amour, draguer. Tac, tac, tac. Allez, wouh! Est-ce que ça va se valider là? Plus de choix, toast. Toast. Ah! Pas ça que je voulais faire. C'est ça. Le prochain épisode, ce sera le relooking. Je vous jure. Je vous jure, je vous jure, je vous jure. Cliquez sur votre sim et écrire et dire prendre des résolutions. Prendre une résolution, améliorer une compétence, retrouver la forme. Ça, c'est pas mal. Toi aussi, il faut que tu prennes une résolution. Elle est déjà en forme. Améliorer une compétence. Ça va, c'est jouable ça. Et donc, crier devant la télé, dans la ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer à la maison, peut-être. Oh, que c'est beau. Parce que elle a fait le truc du déco. Elle a fait les décos, mais alors lui, pas du tout. Donc, il faudrait qu'il rentre à la maison pour décorer, pour avoir les deux de validés. J'ai honteusement triché, mais vous voyez, il est bon. Elle est bon, il me restera plus que fêter le truc à minuit, à 23 h. Le problème, c'est qu'il est 13 h. Et que ça va être très long. Et qu'est-ce qu'il y a à la télévision du jour de l'an? On peut faire le décompte? Non. Bon, alors. La question existentielle, c'est est-ce que j'arrête l'épisode maintenant? La semaine prochaine, on fait un peu, on fait un petit peu le décompte. Je vais peut-être accélérer le temps à fond. Comme ça, je me mets à 23 h, comme c'est à peu près à 23 h qu'il faut le faire. Et comme ça, ensuite, je peux clôturer l'épisode sur la bonne année. Et comme ça, l'année prochaine, nouvelle vie, nouveau look, nouvelle année, nouveau look, on va relooker
notre cher Sébastien machin qui va changer de nom parce que Sébastien, je trouve ça très laid. Et son look est horrible et tout est horrible chez lui. Donc on va vraiment le modifier, quitte à tricher un petit peu, tant pis, c'est pas bien. Mais je veux vraiment The Beau Gosse avant de faire des enfants avec. Ça y est, j'ai démarré le décompte jusqu'à minuit. Du coup, tous les Sims se sont bloqués devant la télé. C'est un peu étrange. Alors, mon cher et tendre est parti aux toilettes, mais il arrive. Voilà. Choupi. J'avais jamais vu le décompte jusqu'à minuit des Sims. Pas encore. Ça y est, il l'a fait. Et pas elle? Ah si, ça l'a validé pour tous les deux. Ouais, youpi, on a réussi. Oh, qu'ils s'embrassent, qu'ils sont mignons. Bonne année. Bon, mais on va s'arrêter sur cet épisode-là et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode enregistré en avance. Évidemment, comme toujours, c'est l'été. Et je ne suis pas trop disponible pour faire des épisodes, donc je fais tout début août pour être tranquille. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour le relooking de Sébastien Joly qui va aussi changer de nom. Allez, bye bye!